premier baiser. Vous êtes obligé de nous le dire, Charlotte, vous nous l'avez dit pendant la pub, vous êtes obligé de nous le dire et c'est un scoop énorme. Jean-Christophe Cambadélis. Premier baiser de Charlotte Duturier. Est-ce qu'on peut savoir comment ça s'est passé, cette affaire? Eh bien, il est venu camper chez moi dans le jardin avec un copain. Et ils étaient ultra à gauche, trotskistes, ils étaient à la fac. Et il venait camper chez les deux Turquem, donc classique. Oui, parce que nos parents travaillaient ensemble. Et donc, il était venu camper, devait aller au Festival d'Avignon, je ne sais pas quoi. Et moi, j'ai vu sortir de la tente, du fond du jardin, un espèce d'une bombasse. Il était d'une beauté, mais vous ne pouvez pas imaginer. Et puis moi, un trotskiste, dans le 16e, j'en avais jamais vu. Moi, j'en avais jamais vu avenue Victor Hugo. Mais Charlotte, on n'avait jamais vu ça. Charlotte, vous aviez quel âge? J'avais 15 ans. Et lui, on avait 19. Et donc, c'était la honte parce qu'il osait. Enfin, on est restés ensemble vachement assez longtemps quand même, mais il n'osait pas m'emmener parce que. Mais donc, il n'y a eu que roulage de pelle? Oui, oui, ça n'a pas été très loin parce que j'étais jeune quand même. Bah oui, 15 ans. J'étais jeune. Respect. Et donc, je me souviens qu'il m'avait largué. Ah mince, il vous a largué. Mais vous vous êtes vengée depuis? Bah, un deuxième appel à témoin. La vie s'est vengée pour moi parce que je trouve qu'il est devenu horrible. Il est devenu. Non, mais c'est vrai, il est devenu un homme politique, politicien, alors qu'il était passionné, il voulait sauver la France et sauver le monde. Et maintenant, il veut sauver sa carrière, quoi.